Je me dis qu'il faut faire ça. Moi, j'ai la connaissance. J'ai des études. Je sais ce que je dis. On doit le faire. Je te dis qu'il faut faire ça. Moi, j'ai la connaissance. J'ai les études. T'as bien réfléchi? Allez, c'est toujours amusant. Combat de chat! Le plus important, c'est que nous ne soyons pas blessés. Je pensais qu'on était vraiment amis. Et vous? Vous savez quoi? C'est moi qui vis la pire chose ici. Parce que je dois payer pour votre amitié. Jolie Kate, tu es la première du genre. Qu'est-ce que j'obtiens de toi, mon ami? Quoi? Julien Lintello, si je ne t'avais pas donné une potion de plaisir, tu ne m'aurais jamais parlé. Et moi, je n'ai jamais pris ça. Je te dis qu'il faut faire ça. Moi, j'ai la connaissance. J'ai des études. Je sais ce que je dis. Il doit le faire. Je te dis qu'il faut faire ça. J'ai la connaissance. J'ai des études. Je te dis qu'il faut faire ça. C'est mieux. On doit y aller. C'est un vrai feuilleton. C'est plus cool que le bazar du village. Je te dis qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez pas qu'on est occupé? Et vous, qui êtes-vous? Chaud ou froid? N'oubliez pas d'aimer et d'écrire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Oh, s'il vous plaît, continuez, amusez-vous. Nous ne ferons que regarder. Il fait si chaud ici. Vous croyez que c'est un théâtre? Plus frais? Ouais. C'est mon amie. Ne sois pas amie avec elle. Espèce de dégoûtante. Tu as la même robe que moi. Oh, quel cauchemar. Tu m'as appelé par un gros mot. Oh, je suis hystérique. Essuie mes larmes. Allons dans la chambre parce que nous allons être submergés de vagues hystériques. Oui, les filles sont un cauchemar. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre. L'irène du rhum. Vous pensez comme moi qu'ils sont devenus fous? Absolument. Je crois que les garçons n'ont pas encore vu des vraies reines du drame. On leur montre? Alors, les filles, vous êtes prêtes à vous amuser? Prêtes? On y va. Hé, sors de là! C'est qui? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Oh, merde! Sinister Hélène attend une minute! Ross, je ne peux plus attendre. Mais pourquoi t'es là depuis si longtemps? J'ai vraiment besoin. Ross, mais comment tu peux me faire ça à moi? J'attends devant cette porte depuis si longtemps. Si tu ne sors pas tout de suite, je ferai mon truc dans ta chambre. Compris? Non, mais vous avez un problème d'incontinence. Tu es insensible. Nous sommes des filles. Tu es restée longtemps exprès? Est-ce que tu veux une malédiction personnelle? Je vais en faire une pour toi. Ne me cherche pas, Ross. Sinon, tu iras aux toilettes publiques pour le restant de ta vie. Ça je suis tout à l'heure avec les filles, c'est tout comme ça. Toi. Tu es impoli, tu ne respectes jamais les femmes de ta vie. Les gars, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont là, ils ont conspiré, ils sont tous pareils. Mais les garçons, vous n'avez pas honte? Un point à zéro en notre faveur. Vous avez vu les yeux de Ross, c'est génial. Je me sentais mal pour lui. Oh, allez, on sera désolé pour eux quand ils auront un tic nerveux. Pour l'instant, c'est du gâteau. Vous avez copié? On passe à autre chose. Allez, allez. Maintenant, un autre sujet. Vous avez besoin d'un contrôle pour tout ça. Maintenant, vous allez faire vos devoirs sous ma stricte direction. L'école a peut-être assez de votre autorité. Tu es bien placé pour parler, toi. J'ai vérifié vos performances académiques de la première classe jusqu'à maintenant. Et ça m'a rendu vraiment triste. Votre performance a baissé de 0,05 points. Quoi? 5 centièmes de points? Les filles! Oh non, c'est un fiasco! Où est mon autel sacrificiel? On doit faire une offrande pour se faire pardonner. Mais les garçons, vous ne comprenez pas?
je suis vraiment contente que vous vous inquiétez autant pour vos résultats scolaires. Mais vous devriez quand même vous préparer pour le test d'aujourd'hui. Non, ça ne nous aidera pas. On finira tous concierge. Les garçons, tout ça c'est votre faute. Nos performances académiques ont diminué. On est une classe de nuls. Je crois que je vais tuer les garçons. On ne va jamais s'en sortir. Je ne peux pas être concierge. Je suis trop belle pour ça. Sinon, je fais des offres de bonheur sur amour. C'est comme moi, je vais être concierge un autre jour. C'est pas possible. Ils sont en train de ruiner notre avenir. Ne vous en faites pas, Madame Johnson. Notre moyenne se stabilise toujours à la fin du trimestre. Je tiens des statistiques. Chaque année, c'est pareil. Les gars, c'est le bortel. Jolie Kate est vraiment... Elle devient comme sa grand-mère. Vous avez été prévenu. Mais je ne pense pas que ce serait si tôt. Elle a chialé parce que je refusais de porter des t-shirts au père. Quoi? Oui, des t-shirts avec le symbole de l'amour tendre. T'as de la chance? Eh bien, Sinistre Hélène m'a fait boire une sorte de boisson de sa réserve. Parce que tu vois, je la regardais comme si elle était un espace vide. Si j'étais toi, je ne lui pardonnerais pas. Surtout quand elle a ce regard-là. On va lui faire boire ça maintenant. Maintenant, je vois tout. Étrangement. Mais c'est comment? T'es un gros lapin rose. Et toi, t'es un ours. Oh, il vaut mieux que tu ne saches pas. Julia Lintello m'a aussi tapé sur les nerfs aujourd'hui, j'ai presque pleuré. Prends ce livre sur l'étagère du haut, a-t-elle dit. J'ai failli faire tomber tout le placard sur moi. Et moi qui pensais que tu étais plus grand. Et j'ai pleuré. Et les quatre sont venus vers moi et ont commencé à crier comme des dingues. Tu as une mauvaise influence sur eux. Tu leur apprends de mauvaises choses. T'as l'air adulte, mais t'es pire qu'un enfant. Tu ferais mieux de rester loin d'eux. Je n'ai rien que d'une chose, c'est de voir plus loin d'ici. On était bien devenus sans toi. L'avenir est également sa vie. Ok, partons d'ici. Jusqu'à ce qu'on les croise plus. Les filles, je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec eux. Vous n'êtes que des crachats d'âme. Honte à vous. Pourquoi vous êtes toujours méchants? Désolé. Et on est désolé pourquoi? Je ne sais pas. Vous vouliez sortir sans nous? Pour vous amuser, hein? Vous avez peut-être de nouveaux amis dehors et de nouvelles petites copines. Si vous voulez partir, tu peux partir comme ça. Vous voulez sortir, c'est vrai, je suis jalouse. Je ne suis pas d'accord avec une autre fille. Tu es terminée. Tu dois rester ici à la maison avec moi. C'est calme. Oh, oh, mes yeux tressaillent. Les nerfs font comme mon estomac se tord. Pourquoi vous vous cachez ici? Les filles boivent du thé. Doucement, Madame Johnson. Nos filles sont devenues folles. Elles ont une hystérie collective. Elles ont toujours été une sorte de... Mais dernièrement... Elles deviennent folles. Vous pensez qu'elles sont hystériques? Ne pensez-vous pas les avoir blessées? Les reines du drame. C'est une farce ou quoi? Une vraie farce. Vous feriez bien de vous intéresser au cours, comme pour les farces. Alors, c'est le moment de relever le défi. 3, 2, 1... Rassemblement! Rassemblement urgent! Les filles, vous savez, en fait, je ne voulais pas en parler, mais Darwin est un cauchemar. Ses chaussettes puent tellement que bientôt toute la maison va puer. Hein? On dirait que les citoyennes ont oublié comment un vrai homme doit sentir. C'est bon, jolie Kate. Tu t'y habitueras pendant les longues années de notre vie heureuse. Eh bien, ces chaussettes ne peuvent pas être pires que les siennes.
Ross les laisse traîner systématiquement après les cours. C'est quoi ce comportement? Et il remet les sols pour nos rendez-vous. Si tu t'inquiètes tellement pour ton Ross le génial, il va bien, je reste aussi. Oui, et on passe un bon moment ensemble. Et c'est aussi tellement gênant qu'on vous... Quand vous êtes insolent. Oui, c'est ce que je voulais dire. Regardez-les. Bon, bon, c'était le dernier round. Les garçons, allez-y. Je vais m'occuper des filles. Pourquoi vous les avez renvoyées? On est en train de faire un battle. Un prank et un battle. Bientôt, vous ne saurez plus parler français. Mais Madame Johnson, ils nous ont traités de reines du drame. Ils se sont moqués de nous. Ils font toujours ça, ils se moquent de nous. Et on voulait leur donner une bonne leçon. Vous ne pouvez pas changer les choses de cette façon. Écoutez la sagesse d'un professeur. Les garçons sont comme un iceberg. Ils deviennent plus forts et plus froids avec vos émotions. Mais si vous agissez différemment, ils pourraient fondre. Je crois qu'on a besoin d'un nouveau plan. Mais d'abord, allez faire vos devoirs. Bien, qu'est-ce qu'il y a par là? Des revendications? Des hystéries? Des scandales? Un sage chinois a dit, ne crie pas en vain, c'est ça la recette du bonheur. Oh, jolie Kate, peux-tu me prêter ta crème pailletée? Oh, bien sûr! Et toi, tu pourrais m'emmener faire un tour dans ton hélicoptère? Maintenant, elles vont découvrir qui sont leurs amis et pourquoi! Bien sûr, évidemment! On a une si belle amitié, ma chérie! Et sinistre Hélène, tu sais, j'ai accidentellement fait tomber tes potions de l'étagère! Tout est cassé! Oh, j'espère que tu ne t'es pas blessée! Parce qu'il me semble que j'avais mis une potion de mort précoce. À en juger par l'odeur. Qu'est-ce qui va pas avec elle? On a cassé les filles! Oh? Et ce n'était pas ton idée par hasard? Non mais, t'en prends pas, mon ami! Tu te moquais d'elle toi-même! Et si jamais elle reste comme ça, gelée? Oh non, qu'est-ce que tu as fait à ma Julia? Oh, maintenant que tu, pas nous! En tout cas, j'ai pas participé! On fait quoi maintenant? Des blagues stupides comme d'habitude! Mais je fais pas ce que tu fais à ma Julia! C'est toi qui as commencé! Vous rigolez toujours à chaque fois que je fais des blagues! Non, non, c'est toi qui as commencé à faire ça! Non, non, c'est toi qui as commencé à faire ça! Oh mon Dieu! Tout ça, c'est de votre faute! Et comment on va vivre maintenant? Je sais, en se tapant la tête contre le mur. Oui, on sait tous que c'est une bonne solution. Oh, les reines du drame! Mes amis, c'était quoi ça? Qui sont vraiment chauds et froids pour de vrai? Les filles ou les garçons? Écrivez, aimez, abonnez-vous! Et toi, Julia Lintello? Ah, c'est un cauchemar! Oh non, quel cauchemar! Ah, tu m'as appelé par un gros mot! Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je devrais dire? Ne vous en faites pas, Madame Johnson. On se stabilisera à la fin du trimestre. Bien, bien.